face de Thunder Mountain, l'accès face-passe, où j'attends tranquillement, sagement, qu'arrive l'heure de mon face-passe pour que je puisse faire mon attraction favorite. Voilà. Et ensuite, je suis en pleine réflexion sur où manger. Est-ce que je vais au Colonel Hattie pour rester dans l'idée de la jungle, sachant que demain j'ai fait le déjeuner avec les personnes, le character lunch avec Mickey à Hakuna Matata, donc je vais pas faire Hakuna Matata ce soir, ou alors je sais pas. La Bodega Veneta est fermée, même si bon, tout ce qui est pâtes, pizza, lasagne, ça me plaît pas. Fuente del Oro, j'aime beaucoup, mais bon, j'avais envie de changement. Donc espérons que mon ride de Big Thunder Mountain m'ouvrira l'appétit plus qu'il ne l'est et m'éclaircira les idées. Let's ride this train! Et allons faire péter la montagne! Les détails de ce ride sont vraiment fous. Personne ne fait attention à ça, et quand on voit. Regardez, c'est l'imposante machinerie qu'il y a là, qui est juste là pour. Voilà. Pour l'immersion. Je pense qu'il est temps d'aller se faire vriller la tête au son d'It's a Small World.
Et voilà, c'est tout pour Small World. Alors c'est quand même fantastique parce que Small World, j'ai fait donc la version plusieurs fois, la version Paris, hein, qui est quand même magnifique. J'ai fait la version de Hong Kong, j'ai fait la version de Tokyo, et c'est marrant, mais j'ai aucun, c'est, comme qui dirait, aucun souvenir. Comme si la musique, cette musique entêtante, elle était là et elle nous prenait et en même temps nous faisait fondre le cerveau. Donc c'est assez étrange. Ou est-ce que ça vient de moi, voilà. Mais bon, c'est toujours quand même agréable parce que c'est quand même visuellement, c'est un tel impact. À savoir aussi si, comme à Tokyo et certainement à Hong Kong, mais ça c'est pas sûr, si un jour on passera à la version avec des personnages Disney en version It's Small World, quoi, dans des représentations aussi mignonnes que les poupées habituelles. Voilà. Donc ça pourrait apporter un plus pour certains, pour d'autres comme moi, je ne suis pas sûr. Voilà. Donc maintenant, on va, je pense, déambuler et je pense que je vais me laisser porter, savoir où est-ce que je vais aller pour manger. Parce qu'en attendant, c'est officiel, j'ai faim. J'ai fini avec le petit ride de Pinocchio, dont la queue qui devait durer 20 minutes, ça m'a paru une éternité. Je pense que j'ai dû mettre au moins une demi-heure, 40 minutes. Chose que je pense qu'il faudrait que Disneyland pense, c'est éventuellement donner un petit coup de relamping, de revoir l'éclairage, parce qu'il y a des moments où on voit vraiment rien, quoi. Et puis ce qui est l'animatronique du camarade de Pinocchio dont j'avais oublié le nom, qui à un moment est de dos et se retourne brusquement avec sa tête avec sa tête d'âne. En gros, je pense qu'il y avait des petits problèmes techniques. Voilà, donc on n'a pas eu l'effet de surprise. Mais sinon, c'est un classique et c'est vrai que il est vraiment indispensable à notre resort. La nuit commence à tomber. Donc le parc va prendre une toute autre image. Mais maintenant, je pense que j'arrête mes bêtises et que je cherche à me nourrir. Sérieusement. Alors, je voulais venir au Colonel Attie pour Ex-Explorer Club. Pour manger, mais c'est fermé. C'était un bel endroit là pour rester dans l'ambiance Jungle Festival. Et puis la nuit tombée, c'est vraiment magnifique. Bon, bah donc pas de Colonel Attie. Quel dommage. Bientôt Colonel Attie. Donc on sait tous que Colonel Attie, c'est l'éléphant du livre de la jungle. Voilà. Bon, après, les lasagnes n'ont pas l'air géniales, pizza c'est plutôt pas mal, boulet, fat. Donc, pas de Colonel Attie, c'est vraiment dommage. Donc malheureusement, je crois que je vais être obligé de repartir sur Main Street avec la foule.
terminer au Télémarket Délicatessen. Hein. Voilà, comme un loser. Hein. Parce qu'arrivé à cette heure-là, on trouve de la place nulle part. La moitié de tout Fantasyland ferme. Tout le monde s'est rabattu sur Main Street. Vidéopolis, c'est l'horreur. J'ai pas envie d'aller au Disney Village. Non, bon, je me suis quand même fait plaisir. Je me suis pris cette petite tarte lionceau, bien dans le thème. Voilà, il y a un pauvre croque-monsieur. Et ouais, c'est ça, c'est la loose. Alors, maintenant, on va s'attaquer à la tarte lionceau. Donc, n'ayant qu'une petite fourchette en plastique, je pense que ça va pas le faire. Donc, je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, je vais déjà goûter la crème. Ça a le goût d'ananas. Je vais attaquer le biscuit comme un sauvage. Ouais. Ça a l'air d'être une mousse à l'ananas avec un fond de tarte au chocolat. Ananas chocolat. Voilà. C'est plutôt mignon. Bon, je vous laisse parce que je vais lui faire sa fête au lionceau. Alors là, quand même, on peut voir l'intérieur du Walt. C'est juste quand même magnifique. Un piano qui, je pense, fonctionne. Avec un accès à la Lily Boutique, parce que Lily c'était le nom de sa mère. On peut apercevoir un buste de Walt Disney. Avec sur cette table, je pense, des photos de famille. On dirait qu'il y a comme un ascenseur. Le lobby est juste magnifique. Je voulais quand même pousser un coup de gueule, malgré tout, sur un des sujets que j'aime bien critiquer à Disneyland Paris, c'est la nourriture. Et j'avoue que là, ce soir, c'était assez compliqué, quoi. Certes, je me suis pris assez tard, j'ai fait un peu mon difficile, j'ai pas voulu aller dans tel ou tel endroit, mais c'est vrai que en pleine saison, quand on voit que il y a des restaurants comme le Colonel Attie qui sont fermés, ça dépote. On a l'impression que ça dépote pas aussi vite qu'on voudrait dans les snacks de Main Street, comme le Market House de Delicatessen ou le Corner, le Case Corner. C'est vrai que voilà quoi. En plus, le Market House de Delicatessen, il n'y a pratiquement nulle part où s'asseoir quoi. À l'intérieur, il y a très peu de tables qui sont monopolisées par des gens, enfin des gens qui consomment évidemment, mais certains ont l'impression qu'ils rechargent leur portable, enfin bon, ils attendent, voilà, alors qu'ils ont fermé. Sur la place centrale, bah, les tables, on se bouscule tous, quoi, et puis une fois qu'elles sont prises, bah, là, vu l'heure qu'il est, à une heure du show Illumination, bah, les gens, ils vont plus bouger, quoi. Donc, alors oui, il y a des tables dans la galerie, il semblerait, dans Discovery Arcade, mais bon. Voilà quoi. Faudrait, ça me paraît compliqué, c'est sûr, mais faudrait quand même qu'il y ait, je sais pas moi, soit
une réorganisation des pôles de nourriture, ou alors construire de nouveaux restaurants, ou développer la street food. Ouais, éventuellement, voilà quoi, même si c'est compliqué, hein. C'est sûr, c'est pas facile quoi. Mais c'est vrai que bon, c'est un sujet qui de temps en temps revient. Et bon, quand on a faim, là on a faim, donc on est un peu armé. Voilà.
Alors, me revoici de retour dans la chambre où la chambre du Sequoia Lodge. Voilà, je suis décidé, à chaque fois que je logerai dans un hôtel, j'achèterai le pins correspondant. Sequoia Lodge, dont vous pouvez voir le plan ici. Et moi, je suis dans le Lodge Yellowstone, ici. Donc, moment venu pour cette fin de journée. Je vous ai épargné la sortie du parc après Disney Illumination, le retour à travers le Disney Village, parce que j'étais genre à 2% de batterie, donc évidemment, ça ne servait plutôt à rien. Donc, cette première journée de ce séjour à Disneyland Paris à l'occasion de la saison du Roi Lion et du Jungle Festival, hein, a été plutôt très positif, considérant le fait que malgré ce que j'avais peur, j'ai quand même réussi à rentrer dans la salle du Frontierland Theater après bonne grosse demi-heure de queue, qui m'a quand même limite paru moins longue que la queue que j'ai faite dans Pinocchio. Voilà, des fois, hein, on a une notion du temps qui est un peu variable suivant les moments. Donc le resort était quand même pas mal bondé, évidemment. Hein, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'Espagnols, des Français évidemment, mais quand même pas, des Anglais et Espagnols. J'ai beaucoup autour de moi entendu parler Espagnol et Anglais. Donc voilà. Donc demain, j'ai réservé le déjeuner à Hakuna Matata. Le déjeuner spécial avec le menu signature de cette saison du Roi Lion, où j'aurai a priori l'opportunité de rencontrer Mickey dans un costume exclusif, Mickey Explorateur. J'ai un peu loupé la Mata Dance de Timon et Pumba à Adventureland, mais en gros. Demain, ce sera certainement très facile, hein, de la voir. Et puis, évidemment, je regarderai une fois, et si j'ai l'opportunité deux fois, le Jungle Book Jive. Hein, enfin, en gros, la parade incroyable sur Central Plaza, parce qu'elle est vraiment d'une richesse incroyable. Donc, j'essaierai, si je peux, de me mettre à deux endroits différents afin de pouvoir avoir deux visions de la chose différentes. Parce que suivant si on est sur le terre-plein central, où là on a une vue parfaite sur les quatre petites scènes sur lesquelles se produisent Mickey, Minnie, Donald, Daisy, la copine de Tic et Tac dont j'ai. Clarisse, voilà, Dingo, Balou, le King Louis, ainsi que toute la troupe de danseurs, de tambours indiens. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que tout autour, sur la route en fait qui fait le tour de cette place centrale, il y a aussi énormément de festivités, il y a des danseurs, les chars d'animaux sont là aussi. Enfin, il y a vraiment quelque chose de qui mérite d'être vu. Voilà. C'est pour ça que, à la limite, si vous avez l'occasion de venir à Disneyland Paris pour cette saison, essayez prioritairement évidemment de vous mettre sur le terre-plein central et ensuite, si vous avez encore du temps, éventuellement pour une autre présentation, mettez-vous sur les espaces périphériques. Voilà. À la limite même du côté, quand on est face au château, du côté droit, parce qu'en fait c'est par Fantasyland qu'arrive le grand char de King Louis. Voilà. Quoi d'autre? J'essaierai de me faire des snacks, quelques snacks saisonniers que je n'ai pas fait. Sur mon Twitter, alors en fait, faut que je vous avoue un truc, c'est que par méfiance,
ayant peur des conditions climatiques peut-être un peu mauvaises ou problèmes techniques ou voilà, je suis déjà venu le mois dernier. Donc j'avais déjà vu le Jungle Book Jive, mais pas le reste. Et c'est vrai que du point de vue des snacks, j'avais déjà testé des snacks, dont le pain banane avec le dessus zébré, qui était vraiment vraiment un pur délice. Chose étonnante pour moi qui est quand même vachement critique par rapport aux snacks. Si vous avez eu l'occasion de voir ma vidéo sur les Toy Story Play Days, vous aurez certainement compris que je suis assez impitoyable. Voilà, quand je n'aime pas quelque chose ou quand je trouve que quelque chose est médiocre. Or, ce pain à la banane, appelons-le comme ça, était vraiment très très bon, quoi. Voilà, donc j'essaierai de me faire la pâte de balou, hein, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Voilà, qui a l'air pas mal aussi. Puis on verra. Ah si, il y avait aussi le Pineapple Float qui est vendu sur le stand devant la girafe, non, devant la boutique de Scheherazade à Adventureland quand on rentre dans le land. En fait, pour la saison de la force, pas la saison de la force, pour la saison du royaume, il a été rebaptisé Rar Float, si je ne me trompe pas, si j'ai bien vu. Admirez mon rugissement digne de Simba avant qu'il ne grandisse. Donc j'essaierai, je pense qu'il n'y a pas de changement hein, par rapport au Pineapple Float, mais bon, c'est quand même très bon. Cette association de glace à la vanille et de jus d'ananas avec un trait de citron est vraiment très très bon. En attendant, peut-être un jour d'avoir le mythique Dole Whip, qui est une espèce de must-have dans les resorts américains. Voilà. Donc non, non, c'était une très bonne première journée. En plus, bon, ben, cerise quand même sur le gâteau, l'opportunité d'aller profiter de la piscine du Newport Bay Club, c'était vraiment quelque chose de top. Comme vous avez pu le voir. Donc bah, je pense que j'ai fait le tour. En attendant, je vais parcourir la télé parce qu'elle m'a l'air à. Chose que j'avais pas remarqué à l'hôtel Santa Fe, elle a l'air de regorger de petits. De petites, comment dire, fonctions très intéressantes. Voilà. Chose qui m'avait beaucoup amusé à l'hôtel Santa Fe, c'était le téléphone hyper vintage. Là, il semblerait que il soit un peu plus moderne. On fait une espèce de mini room tour 2. Chose sympa aussi que j'avais pas vu, c'est les brochures pour la Disney Cruise Line. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adorerais faire, mais bon, je pense qu'il faudrait que je vende mes deux reins. Ensuite, on peut voir la plaquette du Photopass. Voilà. Ensuite, les explications pour les restaurants du Disney Sequoia Lodge, donc le Hunter Grill, le Redwood Bar and Lounge, là où j'ai été voir mon Fraggle Rock. Voilà, et c'est tout. Ensuite, la petite carte plutôt pour donner son avis à la fin du séjour. Et puis, comme on peut voir, il y a cette icône-là qui en fait donne accès à des vidéos sur le parc. Cette icône-là, c'est la télé proprement dite. Et cette icône-là, ça donne accès à des présentations des avantages, enfin des différentes suites des suites de l'hôtel,
Enfin voilà, c'est vraiment pour pouvoir en parler à l'hôtel, quoi. Donc. Je pense que le moment est venu de vous laisser. Je vais aller rejoindre Bambi, Pampan, les fleurs, dans les bras de Morphée. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.